Georges Armand Wonier, président de la plateforme Ensemble pour la démocratie et la souveraineté EDS, par ailleurs nouveau député de la circonscription de Yopougon, a reçu les élus de la plateforme ce mercredi 24 mars 2021 à son siège ici à Cocody à Nono. Sur 18 élus, 15 ont répondu à la convocation et 3 se sont excusés. Les échanges ont duré près d'une heure dans l'auge, loin des médias. Au sorti de la rencontre, le nouveau député de la circonscription des Guigles sous-préfecture, l'honorable Hubert Oulahi, porte-parole des élus de EDS, en donne les motifs. Première rencontre du groupe des députés parlementaires EDS. Il fallait que nous nous réunions, qu'on puisse mettre un nom sur les visages et ensuite envisager de se structurer et de se préparer pour aller à l'Assemblée nationale. Et l'Assemblée nationale fait les lois du pays ou défait les lois du pays. Et nous avons été élus, nous allons y aller et discuter des lois qui seront convenables pour notre société. Et pour cela, nous avons été désignés par le peuple dans nos différentes circonscriptions. Et ce travail-là, nous allons nous engager à le faire sur la base des principes qui sont ceux qui organisent notre parti politique. Au nom des élus, le député des Guigles sous-préfecture se félicite de la participation du parti du président Laurent Gbagbo à ces échéances électorales qui n'étaient pas gagnées d'avance après 10 ans d'absence. Ces élections ont été difficiles pour l'opposition. Plusieurs raisons, il y a longtemps que nous n'avons pris nos distances par rapport aux élections dans ce pays. Nous y revenons 10 ans après, dans des conditions matérielles, financières, et politiques difficiles. Politique, vous savez bien, nous avons comme adversaire principal le RHDP qui a beaucoup de moyens pour gagner. Il y a la personne, il y a l'État, il y a la CEI qu'il fallait affronter, nous avons fait. Certains ont pensé qu'il ne fallait pas y aller, nous avons vu qu'il fallait y aller après 10 ans, ce d'autant plus que nous n'étions pas seuls, nous étions en coalition. Et cela était quand même un élément nouveau. Nous y sommes allés, nous avons eu ce résultat que vous avez, mais je crois que le peuple est content. J'étais très content de nous revoir et je pense que pour les autres échéances, vous entendez parler de l'opposition. À sa suite, plusieurs participants se sont exprimés au micro de FPI NTV. Il faut simplement dire aux uns aux autres que l'engagement politique, c'est vraiment c'est dans la dignité et c'est en étant attaché à ses convictions qu'on arrive à faire un bon parcours politique. C'est-à-dire qu'on s'est préparé pour être un grand poids à l'Assemblée nationale pour que EDS puisse porter favorablement les aspirations du peuple. Parce que ce groupe parlementaire que nous allons former sera le groupe parlementaire qui sera le reflet véritablement du peuple. Parce que effectivement, nous tirons notre légitimité du peuple. Et on ne s'est pas imposé au peuple, c'est le peuple qui nous a élu. Et donc je pense que nous pourrons apporter, sinon porter les aspirations réelles du peuple. J'aimerais remercier le président Georges Wonier. Comme tout le monde le sait, il est le président de la plateforme EDS et il nous a reçus au siège de sa plateforme pour d'abord faire connaissance avec tous les députés qui ont été élus sous la bannière de EDS et en cela je voulais le remercier. Deuxièmement, je voudrais profiter de cette occasion pour vous dire que le groupe parlementaire EDS que nous avons formé est déjà au travail. Et le travail s'organise et nous allons montrer au sein de l'Assemblée nationale que notre groupe ne sera pas inactif. Bien au contraire, il va être combatif et se battre sur nos valeurs que nous allons défendre au cours de cette législature. C'est une bonne rencontre, il fallait commencer par là. C'est vrai qu'on est militant de notre pays, mais ce n'est pas toujours qu'on se connaît. Et c'était une occasion de se connaître et de saluer notre victoire qui n'était pas évidente quand on est sur le terrain. Et aujourd'hui, je pense que nous sommes en ordre de bataille.
débat futur. Vous savez que très bientôt, on ira au municipal régional et c'est un bon début, c'est une bonne rencontre au cours de laquelle nous avons reçu les instructions du président de la République, le président Laurent Gbagbo, qui a demandé également des instructions qu'on va suivre pour que le FPI s'implante davantage au paysage politique ivoirien. C'est pour moi un plaisir d'entrer à l'Assemblée nationale pour apporter non seulement à nos populations, mais à notre parti, tout ce dont elle a besoin, tant que texte juridique, participer. Donc, je suis content pour ce qui sont, parce que les parents se sont vraiment mobilisés. Je suis très content, non seulement pour les parents, mais pour ce défi que nous avons relevé. Et nous pensons que on va continuer à apporter à Laurent Gbagbo qui attend beaucoup de nous. Qu'est-ce que tu veux dire? À cette occasion, la vice-présidente Odette Soye, secrétaire générale par intérim, représentait le secrétaire général Dr Asso Adou en déplacement hors du pays. Il faut signaler que des recours concernant des candidats EDS sont encore pendants devant le Conseil constitutionnel.